Moi, je m'appelle Nordin Walaj. Rien de fait tout. Ismaël. Ben, on est éducateur. Donc, je travaille pour la ville de Bruxelles. Moi, je suis éducateur sur la commune de Schaerbeek. Moi, je suis animateur dans une maison de jeunes à Neder-Overenbeek. Et je suis Schaerbeekois. Avant tout. On est tous très Schaerbeekois, tous les trois. Quand on a vu le succès du premier épisode, quand on regarde maintenant, on se dit, allez, il est arrivé presque à 45 000 vues en moins de 2 mois. Et on s'est dit, voilà, on s'est dit maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment se servir de tout ce public qui est derrière nous. Parce que c'est vraiment le public qui nous a fait, si on aurait sorti le premier épisode, ça n'aurait pas fait un boom comme ça. Je ne pense pas qu'on aurait été motivé pour sortir les autres. C'est vraiment le public qui nous motive, qui est derrière nous et qui nous donne envie d'aller plus loin. Voici où on va habiter pendant 2 semaines. Oh, je donne tes sérieux là. Ouais. Il n'y a même pas de porte. C'est quoi cette maison? Mais c'est toute cette façon d'être crédible, d'être là, présent dans le quartier, qui fait que voilà, qu'on a des gens qui nous font confiance. Et quand ils voient ce qu'on sort aussi, les histoires qui sont dites dans les caméras quartier, c'est vraiment des histoires que la plupart ont vécues. Ça fait 10 ans chacun qu'on travaille dans l'animation. Donc moi, je suis un leader, j'ai fait un Essence, Scarbeck, ouais. Il a fait la Marolle. Donc je veux dire, on a aussi un réseau plus large, ce qui permet aussi de diffuser plus rapidement. Parce qu'on est du terrain. Je vais laisser un message pour ma mère. Si jamais je meurs, qu'elle fasse croire aux allocations familiales que je suis encore vivant. Jusqu'à mes 25 ans. Ça passe. Oui, Ismaël. Tu pleures? Non, je pleure pas, c'est le vent. Les thèmes qu'on fait une approche des thèmes de société, des difficultés que les jeunes peuvent rencontrer tous les jours, de la plus banale à la plus complexe. Ça va de la recherche d'emploi, la relation avec son ami, le rapport avec l'argent, le rapport avec les femmes, le rapport avec les parents. Voilà, c'est ça. Et ce qui nous amène les thèmes, c'est vraiment... Nous, on a notre petit fil rouge, et c'est les jeunes, quand ils arrivent, qui nous disent « Ouais, on aimerait parler de ça, on aimerait parler de ça, on aimerait parler de ça. » C'est de là que les thèmes naissent. Quand on regarde le premier épisode, par exemple, on montre comment ça se passe la recherche d'emploi. On fait un peu de... On caricature. On caricature un peu. Et voilà, et le deuxième épisode et le troisième épisode, c'est vraiment, il se passe en camp, dans les Ardennes. Donc ça, c'était vraiment le thème de cet épisode-là, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce que nous, on retient de ce qu'on a vécu quand on a été dans les Ardennes avec les animateurs et tout ça, et que les jeunes maintenant vivent. Comment est-ce que ça pourrait se passer? En observant le quartier, je me suis dit un jour que ce serait bien de mettre en image ou en vidéo ce qui se passe vraiment dans le quartier. Et c'est plein de petites histoires qu'on observe tous les jours qui m'ont fait penser à ce projet-là. On n'a pas envie de montrer que voilà, les quartiers, ce n'est pas que de la violence. Voilà, c'est ça. Il faut juste savoir que dans les quartiers, beaucoup de gens passent beaucoup de bon temps dans les quartiers. Parfois dans un coin de rue, en train de rigoler, en train de se lâcher des vannes. Les faits de violence restent des faits isolés. Dans la journée, c'est 5 minutes qui peut arriver dans une journée. Et c'est ça qu'on va retenir. Voilà, c'est ça qu'on va retenir. Nous, on veut juste ponctuer sur le fait que vivre dans les quartiers populaires, c'est chouette, c'est un endroit où on se sent bien. Et aussi, un truc très important, on en parlait aussi beaucoup, c'est aussi au début, de ne pas se prendre au sérieux. Mmh. Dans le sens où on fait quelque chose pour s'amuser. Et je crois qu'à partir du moment où nous, on s'amuse, les gens en face vont s'amuser. Ouais. Et je crois que c'est ça, c'est très important, c'est de garder cette notion d'amusement. C'est des jeunes qui sont rencontrés dans un festival que la commune de Schaerbeek organise, le Mimouna. Ils se sont constitués en mini-troupes, qui se sont appelés Parasites, des jeunes de Anessens, Schaerbeek, Saint-Josse, Molenbeek. Même de Molenbeek. Et ils sont constitués en petites troupes pour créer leur propre spectacle. On s'est dit que voilà, on va prendre ce groupe-là qui se connaît déjà. Et on va leur proposer de faire le premier épisode de Caméra Quartier. Et voilà, ça a commencé comme ça. On n'a rien. On n'a rien, il n'y a rien qui nous appartient. On a une caméra qu'on emprunte. On a un lieu
que des amis nous prêtent. Et on filme avec un dictionnaire. On met un dictionnaire et on pose la caméra dessus, on utilise la lumière de chantier. Non, c'est vraiment la débrouille. Mais tout ça, c'est justement c'est les discussions qu'on a eues avant de faire le caméra écartée, dans le sens, est-ce qu'on attend d'avoir tout le matériel pour commencer ou on commence, est-ce qu'on commence. Et si on ne commence pas, eh ben, ça prend 2-3 ans avant de tout avoir. Donc là, on se dit, on lance. Heureusement, le public a répondu présent. Donc là, ça nous motive nous-mêmes à vraiment demander du financement, de même cotiser entre nous pour améliorer le concept. Voilà, on a lancé la première saison. Maintenant, on va voir par rapport à l'avancement. Peut-être que la deuxième saison sera encore beaucoup plus facile à réaliser. Mais je pense que tant qu'on a cette patience et cette force, envie. Cette ouais. envie de vouloir continuer, cette envie que nous donne aussi le public, et voilà, on ne lâchera pas, quoi. C'est le mot de la fin.